Est-ce que votre communauté a suffisamment de terres pour sa production agricole? Bon, à l'époque, il nous restait un peu par rapport à la première concession foncière qui a été faite par l'État en 65. C'est sur ces terres-là que nous cultivions, jusqu'à ce qu'intervienne le bail emphytéotique signé en 2006. Ça, c'était pour combien de terres? 11 000 hectares. C'est 11 000 hectares. 11 000 hectares. Et ça touche votre communauté? Ça touche notre communauté. C'est le peu de terres qui nous restait de la première concession foncière faite par l'État en 65. Est-ce que ce contrat a été signé avec l'accord des populations affectées? Du tout, parce que le bail emphytéotique signé en 2006 par le ministre des Domaines et des Affaires foncières du Cameroun a été autorisé par un décret du chef de l'État. Est-ce que le SOSUCAM vous a promis des compensations? Bien évidemment, parce qu'avant même de commencer les discussions avec l'État du Cameroun, la SOSUCAM s'est rapprochée des chefs de l'arrondissement de Mbandou par l'intermédiaire de son président directeur général, la personne de M. Louis Yinda, qui a demandé le secours ou alors l'aval des chefs. Ceux-ci lui ont dit que les terres étaient là, mais qu'il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'était la construction des écoles, la construction des routes, la construction des adductions d'eau, et bien sûr les emplois. Ça, en gros, ce que nous avons demandé à la SOSUCAM à l'époque. Et je crois que nous étions tombés d'accord parce qu'ils avaient estimé que ce qu'on leur avait demandé était en réalité peu par rapport à ce qu'ils s'attendaient. Quand nous nous sommes dit c'est des choses qu'ils allaient réaliser avant même de commencer les travaux. Nous avons été surpris de les voir un matin entrer. Bien sûr, après la conclusion du bail emphytéotique, on a été surpris de les voir entrer et commencer leurs travaux d'extension. Est-ce qu'il y avait des compensations monétaires offertes à votre communauté? Pour ce qui est de notre communauté, l'État du Cameroun nous a accordé une indemnité annuelle de 2 066 240 francs. Étant entendu que nous sommes un groupement de 1 500 personnes environ. Donc ça revient à dire que chaque personne doit toucher en moyenne 2000 francs CFA. Ce qui fait 5 $ par personne. Qu'est-ce que vous viviez d'être si près de cette large plantation de canne à sucre? Ce que nous vivons, c'est regrettable de le dire parce que je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi, la situation que nous vivons. Déjà, ce n'est plus un secret de professionnel. Nous n'avons plus de terre pour cultiver. Ça, c'est la pire des humiliations qu'on peut infliger à un villageois. Ne pas avoir là où cultiver. Ça veut dire qu'en tout temps, vous allez errer. Et si vous ne errez pas, vous serez obligé d'aller demander de l'emploi à la SOSUCAM. Et quand on sait que le salaire mensuel là-bas d'un ouvrier est de 40 000 francs, 40 000 francs CFA, bien sûr. Donc, en plus de ça, le peu de champs qui nous restent sont détruits par les produits phytosanitaires que déversent les avions de la SOSUCAM au moment de répandre ces produits sur les cannes à sucre. Ça touche directement vos communautés? Bien sûr, puisque nos champs jouxtent un peu les champs de SOSUCAM. Donc, leurs avions ne font pas de distinction entre les champs de canne à sucre et par exemple un champ de manioc. Pour eux, c'est la même chose. Ils peuvent les détruire. Ils ne risquent rien de toute façon, puisqu'ils disent qu'ils sont là du fait de l'état du Cameroun. Étant donné vos expériences, est-ce que vous avez un message à transmettre à des autres communautés qui sont concernées par ce phénomène mondial d'accaparement des terres? Bien sûr, le seul message que je peux leur délivrer ici est de rester solidaire et de ne pas croiser les bras. C'est ce que nous faisons ici, en dépit du fait que nous avons un adversaire redoutable devant nous, qui est déjà d'abord l'État qui est supposé défendre nos droits
et en plus ces investisseurs étrangers qui ont assez de moyens, qui peuvent corrompre tout le monde. Je leur dis de rester unis, de ne pas se laisser corrompre et de ne pas se décourager. Alors vous allez continuer avec votre lutte? Bien sûr, nous n'avons pas le choix.